Si j'avais des conseils à donner à des familles qui ont des enfants handicapés en situation de handicap, c'est qu'au départ, je sais que c'est très dur. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut d'abord l'accepter et il faut du temps. Une fois qu'on a ce temps, il faut laisser passer, pleurer peut-être, se mettre en colère, laisser agir ses émotions et ensuite accepter son handicap. Allez, si on ne l'accepte pas, qu'on veut le contrer, eh bien ça va être difficile pour l'enfant qui va grandir et qui ne l'acceptera jamais. Il est important pour l'enfant d'être en lien avec lui dans son éducation pour être à l'aise dans sa croissance. Pour moi, par exemple, dans la famille dans laquelle je suis né, ça a été un choc. Mes parents étaient entendants et à l'âge de 8 mois, auparavant, on pensait que j'étais normal en quelque sorte. Et quand on leur a annoncé que leur fille était sourde, eh bien, ça a été très dur. Ils se sont d'abord battus, battus, battus là-dessus et jusqu'au moment où enfin, ils ont accepté que je puisse être sourde et puisse bénéficier d'une éducation à égalité avec d'autres personnes. Et ensuite, eh bien, j'avais un regard naturel sur moi-même. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'adaptation pour les enfants. Et ce qui est important avant tout, c'est qu'on a un regard d'égalité. Dans la rue, par exemple, on rencontre une personne qui est sourde ou qui est handicapée. Et c'est vrai, au départ, il faut surtout éviter cette notion de pitié. Il faut, comment on peut s'adapter? Par exemple, il faut avoir un esprit ouvert. Pour une personne sourde, ce serait mimer. Il faut pas avoir honte, faut pas dire excusez-moi. Tout ce regard de pitié, ce regard qui abaisse, non, pas du tout. Il faut mettre de côté la surdité, par exemple, en ce qui me concerne, et passer par d'autres moyens. Par exemple, on peut écrire, on peut me taper sur l'épaule, on peut mimer. Personnes handicapées se sentent exclues justement parce que les personnes entendantes, enfin dans le cas de ma surdité par exemple, ne veulent pas faire l'effort d'aller vers l'autre. Et parce que il faut comprendre, quand on est sourde, on fait pas peur, on n'est pas malade et on ne veut pas contaminer les autres. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui est important, c'est chercher peut-être des informations sur le handicap, essayer de comprendre ce que ça veut dire, aller voir des personnes handicapées, leur poser des questions. Enfin, moi, il n'y a pas de tabou quoi. Il faut parler, il faut poser, mais même poser des questions sur le handicap. Lui-même, quoi. Nous, on n'a pas honte à être handicapés. Et on est des personnes, d'abord des personnes humaines, on est des personnes normales, on a une différence, c'est vrai. Et voilà, et donc on est égal à toutes les autres, et donc c'est important. Par exemple, il y a des personnes qui sont timides, nous aussi, on est parfois timides, mais le handicap, il faut arriver à le vaincre, il faut passer par derrière, il faut avoir un esprit d'ouverture, il ne faut surtout pas être stressé à l'idée de parler à une personne handicapée. Au contraire, c'est l'inverse, il faut directement mais poser des questions, ne pas avoir pitié, et puis essayer de mettre un peu le handicap de côté et communiquer avec la personne et lui parler de tout, de tout.